Eh ben salut à tous, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année de merde, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, Normale Sup ou n'importe quelle autre école de cirque pour savoir que ça va être encore un beau bordel quoi, mais bon bonne année quand même. Donc comme vous pouvez le remarquer, nouveau décor, hein, j'ai déménagé, hein. Et donc il y a ça là aussi, là, le petit micro là pour le son, hein. Ça marche bien? Je vous ai cassé les oreilles là. Donc voilà, il y a mon petit redneck là, mon petit Billy Bob qui est là. Donc on est pas mal. Et je vais commencer cette première vidéo de l'année 2021 en vous parlant d'un film qui est passé un petit peu inaperçu. C'est Red State, qui est sorti en 2011 et qui a été réalisé par Kevin Smith. Ouais, je crois que... Donc Kevin Smith, c'est un mec qui a plutôt réalisé des comédies. Il a notamment réalisé Top Cops avec Bruce Willis. Mais là, du coup, avec Red State, le mec change complètement de style, quoi. On va suivre Travis et ses potes Jarod et Billy Ray. Et un soir, ils se font une virée en bagnole et ils décident d'aller voir une fille de joie, quoi. Une fille qui propose des services, plus que sympathiques. Bon, une pute, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, hein. Mais bon, les choses vont pas se passer exactement comme prévu. Allez, ces salopes ont envie de ma queue, non? Une fois qu'on a bu, elle est moins moche. Non, j'ai vu mieux côté Nichon, elle a des petites poires. C'est Nichon, il sort. Putain, qu'est-ce qui... Ils vont être séquestrés dans une communauté de chrétiens complètement éclatée du cerveau, hein, qui est dirigée par le pasteur Eben Cooper, qui est joué par Michael Parks, que vous avez pu voir dans les Kill Bill, Une nuit en enfer et Django Unchained, enfin, etc., etc. Bon, lui, c'est l'archétype même du catho extrémiste qui déteste la fornication à plusieurs, l'adultère, l'avortement, et surtout les homosexuels. D'ailleurs, il est pas très sympa avec eux dans le film. Mais bon. Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Et les choses vont vraiment partir en couille. Enfin, elles sont déjà parties en couille depuis un moment, tu me diras. Quand un flic va vouloir mettre son nez dans les affaires de la communauté. Et le flic en question, il est joué par Matt L. Jones, qui joue Badger dans la série Breaking Bad. Donc pour les fans, rassurez-vous, il est aussi con dans Red State. Mon révérend, excusez-moi. J'ai une chose à vous demander. Je me rappelle que vous étiez allé au Vatican pour protester contre l'enterrement du pape il y a quelques années. Et ce que je voudrais savoir, c'est... C'est joli l'Italie. Va suivre ensuite une confrontation entre les gens de la communauté et l'ATF. Et l'ATF, c'est un service fédéral américain qui est chargé de faire appliquer les lois sur le tabac, l'alcool, les armes à feu, etc. Donc comme quoi, il n'y a pas que le FBI dans les films. Et dans l'équipe de l'ATF, on va retrouver l'agent Keenan, qui est joué par John Goodman, qu'on a pu voir dans The Big Lebowski, O Brother, ou encore la sitcom Roseanne. Et puis dans plein d'autres trucs. Ici l'agent spécial Keenan, chef. J'ai besoin de renfort. Il nous faut ça le plus vite possible. Une fusillade a éclaté à Cooperstown. Ça suffit. Arrête. Va plutôt chercher une arme. En fait, le shérif du coin a tué un des agresseurs armés. Et on leur a dit de sortir. Et ils ont ouvert le feu. Ils ont descendu Brooks. Ces enfoirés cubénis de merde. Donc le thème principal abordé dans Red State, c'est en gros la détestation qu'ont certains fanatiques religieux envers les homosexuels. Envers aussi plein d'autres choses. Mais dans Red State, c'est surtout les homosexuels qui sont visés. Le réalisateur du film, Kevin Smith, a eu l'idée du film en voyant dans un documentaire un mec qui s'appelle Fred Phelps. Et donc Fred Phelps, c'était un pasteur américain qui avait une église dont le slogan était « Dieu déteste les PD ». Donc déjà, ça pose les bases, quoi. Et d'ailleurs, le pasteur Cooper est directement inspiré de ce mec-là. Et sur Terre, qui sont les suppôts de Satan, Fiona May? Les homosexuels. Tout à fait, mon poussin. Les homosexuels. En fait, il a voulu créer une satire de tous ces gens-là, de tous ces extrémistes religieux, ultra haineux et réfractaires à tout ce qui ne leur ressemble pas. Et voilà, à travers Red State, il veut un petit peu les faire passer pour des cons, quoi. C'est un film qui est assez court, mais très condensé, et il est plein de rebondissements. Le film doit durer 1 heure et quart à peu près.
Et je vais paraphraser donc Kevin Smith. Pour lui, en gros, c'est que c'est bah c'est comme si t'invitais un de tes potes à s'asseoir sur une chaise et qu'au dernier moment, hop, tu retournes la chaise et ton pote se prend un pied de chaise dans le cul, quoi. T'es, oh, ouais, dis donc, bah ça pique, hein. Et puis bon, t'attends un peu. Puis voilà, tu dis, bon bah vas-y, attends, je te donne une autre chaise, hop, vas-y, installe-toi, puis tac, au dernier moment, tu retournes encore. C'est marrant, quoi. C'est un film qui regroupe plusieurs genres. On va avoir un peu d'horreur, un peu d'action. La psychologie aussi des personnages va être pas mal mise en avant, parce qu'on va pouvoir s'apercevoir que chez certains, va y avoir une vraie évolution des mentalités et des comportements. On est un petit peu dans la lignée des films Grindhouse, Boulevard de la Mort, Planète Terreur, etc. Et d'ailleurs, le film est adoubé par Quentin Tarantino. Bah d'ailleurs, c'est marqué hein, sur la jaquette hein, « I freaking love this movie !» qui veut dire « c'est bien ». Donc voilà pour Red State, excellent petit film qui, bah, comme vous avez pu le comprendre, a attisé les foudres des extrémistes religieux, quoi. Et j'ai une petite anecdote sympa, c'était pendant une représentation du film aux États-Unis. Donc il y avait des extrémistes à l'extérieur avec des pancartes avec marqué Red State Fags. Donc littéralement Red State PD, quoi. Et le réalisateur Kevin Smith a eu cette superbe réaction. Le mec s'est dit, tiens, bah, j'ai trouvé le nom pour la suite du film, quoi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas refaire le refrain de abonnez-vous, etc. J'ai l'impression de faire le tapin à chaque fois. Je sais bien qu'il faut arrondir les fins de mois, mais bon. Je vous dis à bientôt. Respectez-vous, mais pas trop quand même. I'm scared, I'm dying, I'm cynical, leave me the ground, I'm praying, I'm dying, I'm seeing myself running down, I'm scared, I'm dying, I'm running through the real En fait, je viens de m'apercevoir, je viens de vous dire que j'en avais marre de dire abonnez-vous, partagez, etc., etc. Mais sur mon générique de fin, j'ai laissé like, share, subscribe et tout, donc aimez, partagez, abonnez-vous et tout. Et ben, je vais le laisser quand même, parce que ça me fait bien marrer. Allez, ciao !